Qu'est-ce que tu racontes? T'es sérieux? Mais vas-y, va, suicide-toi, vas-y, saute du 12e étage dans Palau, c'est près de chez toi, c'est une cité vers Toulouse, t'inquiète même pas, c'est à côté, ça te fera prendre le train une heure et demie, mais Alonso, tu dis de la merde. Comment ça, la belle ville aux zinc, je sais pas quoi? Mais la belle ville aux zinc! Si tu veux, je te fournis une dread, pends-toi avec. T'inquiète pas, c'est résistant, tu peux me croire. Attends, arrête tes conneries, la belle ville, black, toute black, black. Mais ça n'a même pas de sens ce que tu dis, tu n'existes pas. Donc, je veux bien, moi, salir l'image du rap, hein, pour faire croire qu'il ne peut pas émerger quelque chose de bon de ce milieu. Je veux bien, hein, peut-être que tu as des projets avec des fils de pute, ça c'est ton problème. Mais fais ça bien, au moins, je sais pas, tu fais comme Orelsan, tu fais le bolos, tu fais la baltringue, fais comme Gims, tu fais le pédophile. Attends, mais je sais pas, qu'est-ce que t'as pas compris, toi, à la vie? Tu me parles de belle vie. Hey, moi, tu sais quoi, je vais faire des couplets avec un refrain qui va être gourmand et croquant. Yeah! Gourmand et croquant! Le shit est gourmand et croquant! Mais c'est. Oh, mais c'est. Hey, si tu veux, je l'arrache tout de suite, Adrien. Écris-moi un texto, Alonso, je te l'enlève tout de suite. Je te prends la plus grande, je crois qu'elle m'arrive jusqu'au pénis, donc t'inquiète même pas, ce sera assez long et il n'y a pas de problème. Mais là, t'es sérieux? Petite parenthèse son, je vais en faire une à chaque fois maintenant parce que ça devient n'importe quoi. Avant ton suicide, Alonso, je te propose une crêpe si tu veux. Au Nutella, t'inquiète même pas, je l'ai fait moi-même, tu vas kiffer, tu vas vraiment kiffer ta race. Une bonne crêpe, j'en prends un petit croc, mais bon, t'inquiète, c'est la famille. Ah, famille. Putain, c'est la merde, vous êtes des malades, vous êtes des malades. La belle vue. Allez regarder le clip, la vérité, allez regarder le clip. Si tu comprends quelque chose, ça veut dire que t'es un trisomique. C'est la vie de ma mère, je te promets. Bon, là, pour moi, personnellement, j'aurais besoin de votre aide à vous. Rageux, haineux, fanatique, mascotte, tout ce que tu veux. Faut m'expliquer quelque chose là. Comment tu fais pour atteindre le niveau de Le Pen? Tu fais comment? Mais hey, j'ai tout imaginé, la famille. J'ai tout imaginé, la famille. Franchement, du barbecue à gaz avec sa chambre hein, en titanium pour conserver un certain fumé quand même. Aux pâtisseries, cendré avec mon pote boulanger, on voulait lancer une nouvelle gamme de petits fours. Mais bah oui, attends, faire notre promotion sur la nostalgie des uns et la nostalgie des autres, hein, parce que qui n'est pas nostalgique des petits fours? On s'est compris, calmez-vous. Mais c'est vrai que ça a été sans résultat. Donc moi, je me pose des questions, parce que, à part musicalement, mais ça, c'est parce que je suis le meilleur de tous les temps, alhamdoulilah, ça n'a rien à voir. Mais j'arrive pas à emmerder le système. Je comprends pas. Comment tu fais, Jean-Marie? Enfin, faut me dire, franchement. Attends, je suis là. Tu peux me faire confiance. Enfin, tu me connais. Je suis de la communauté des gens aussi. On est de la communauté des gens, Jean-Marie. Donc attends. Tu peux me dire c'est quoi les bails? Ton secret, il sera bien gardé. Attends, t'inquiète pas. Tu peux. Mais non, mais en plus, parce que je suis sûr, t'as refilé la disquette là à Dieudo. Maintenant, le mec, il te fourre des disques durs 1 téraoctet. Hey, chapeau. Mais c'est vrai que quand je remarque que je suis moi-même plagié par les Illuminati, je me dis que finalement, 3 points de suspension, c'est moi. Au-dessus, c'est moi. Je suis désolé, la famille. C'est comme ça. Même si il faut reconnaître le talent des uns et des autres. Alors j'aimerais savoir quand même, hein, l'astuce. Franchement, donne-moi l'astuce. Hé, hey, Jean-Marc, franchement, il faut me dire comment ça se passe. Hey, le mec, il a juste dit fourner. Mais c'est comme s'il avait assassiné 6 millions de personnes, poto, hein, dans une chambre à gaz défectueuse, hein, par-dessus le marché, le gaz n'arrivait même pas à l'intérieur de la pièce. Architecture non conforme, défaut de fabrication. On s'est compris, t'inquiète. Mais sans transition, il y a l'autre là aussi. J'ai envie de lui casser, de lui casser du sucre de canne sur le dos de la cassonade, même pourquoi pas, parce que franchement, non. Comment elle s'appelle là? Une blondasse de la télé, là. Anne-Sophie, Lapie. Non, lapin, la pute. Ouais, c'est un animal qui lui correspond mieux, je trouve. Et donc la petite Anne Soso, la pute, là, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé dans la tête. Elle m'a taclé. Je pensais que personne pourrait le faire à part les Illuminati, mais une blondasse m'a taclé. C'est-à-dire que il est probable que dans ma tête, je pense comme une blondasse. Non, calme-toi, je plaisante. Je plaisante, mais elle m'a quand même taclé devant Philippot en plus, hein, la bâtarde. Florian, il disait, mais attendez, mais je ne sais pas si Jean-Marie ment, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Patrick Cohen qui tout, 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 il le fusille du regard. Mais bon, c'est vrai que comme Florian, il se défend plutôt bien, Patrick, il a fermé sa gueule tout au long
tout au long de l'entretien. Mais c'est vrai que Patrick Cohen, j'ai une question quand même. Patrick, c'est ton vrai nom? Parce que, non, mais attends, Arthur, c'est pas son vrai nom. Jean-Jacques, c'est pas son vrai nom. Bruel, c'est pas son vrai nom. Donc, j'aimerais savoir. Faut me dire, lequel de chez vous a un vrai nom? Qui est vrai chez vous? Comment ça se passe? On va se perdre, nous, on va se perdre. Attends, comment on fait? Comment on fait pour vous reconnaître? Qui chez vous a un vrai nom, finalement? Attendez, là. Bon, tu me ramènes Netanyahu, je veux dire, ok, d'accord, là, je comprends la connotation. Mais, non, mais c'est pareil, si moi, je te dis Jésus. Bah ouais, mais ça n'a pas une connotation, ça sonne pas feu, je suis désolé. Attends, je suis vraiment désolé, mais je le dis comme ça, ça. C'est comme mon humble avis, hein, mais bon. Donc on va reprendre là, parce que la pute là, cette blandasse de la télé, mais elle a merdé malheureusement. Hein. Parce qu'apparemment, comme j'ai dit, hein, Patrick Bruel, c'est faux. Son prénom, c'est Ben Guigui. Ouais, je te promets, la vie de ma mère, son prénom, c'est Ben Guigui. Alors oui, certes, un faux ou un tox. Laisse-moi clarifier ça tout de suite. Patrick Bruel, écoute le chanter, c'est un faux. Écoute le chanter, il n'y a plus de doute, c'est un tox. Donc, hein, ça va ensemble, ferme-la. Mais la pute, mais elle a essayé d'attaquer comme ça, et puis elle était là. Non mais Jean-Marie, c'est un menteur, Jean-Marie. Ça, c'est une technique de télé, t'inquiète, je vais t'apprendre ça. De radio aussi, enfin, c'est les mythos, un truc de mytho. C'est, tu dis la même phrase de deux manières différentes à la suite. Les politiciens sont les plus grands mafieux sont politiciens. Ah, j'ai plus qu'à te la fourrer dans la bouche, je sais que tu mettras pas les dents, y'a aucun problème. Doucement, calme-toi. Mais c'est vrai que, la pute, oui, elle s'est défendue, mais j'aurais jamais cru entendre ça à la télé. Moi, je ne mens jamais. Moi, mentir, j'y connais pas. Elle a commencé à faire des accents, elle s'est perdue avec le stress, elle a trahi ses origines du Maghreb, vas-y, retourne là-bas, là, vas-y, va te faire lapider. N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes, là, vas-y, rentre chez toi. En plus, je suis sûr que t'es même pas une blondasse, t'es rousse, tu t'es décoloré pour la télé, je le sais, mais je vais pas vendre la mèche. Je viens de le faire, mais c'est pas grave. Donc, j'avais quand même une question, moi, hein, que je me demande, c'est pourquoi ça dérange les références à l'Archoa, hein? Pourquoi ça dérange l'Archoa? Attends, ça te donne à manger l'Archoa? Comment ça... Ah, tu manges la Shoah? Ah, mais ça a quel goût? Aigre doux avec un arrière de gingembre. Ça doit être pas mal, ça doit, oui. Mais tu la fais revenir dans un wok, tu peux la préparer en raclette, en fondue, tu la cuisines comment? Au gaz ou... Bah je sais pas, est-ce que tu l'assaisonnes et puis tu la mets dans le four thermostat 7 pendant 90 minutes? Ouais, le temps d'un match de foot, en plus c'est la saison des conneries de, je sais pas quoi, championnat du monde, je sais même pas comment ça s'appelle, ensemble. Coupe du... Oui, on s'en bat les couilles. Mais non, d'accord, à l'étouffer c'est mieux. Shoah à l'étouffer, tu la mets dans du papier aluminium, c'est mieux. Hein. Ça te donne une Shoah gourmande et croquante. Seigneur, j'ai trop de talent. Mais c'est vrai que je me demande d'où ça vient ce tabou, parce que... Bah, je sais pas, tu peux me dire que c'est parce que c'est l'histoire la plus récente et la plus dramatique, donc c'est normal que c'est encore dans les cœurs. Oh, mais tu sais pas comment ça s'est passé, tu sais pas c'est qui, tu sais pas c'était quoi les intérêts, et ça te touche comme ça. D'accord, mais... oui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent aujourd'hui dont tu t'en as rien à foutre? Donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde est... Ou comment ça se passe? Non, mais c'est une communauté qu'on peut pas nommer, calme-toi, hein, parce que... Je sais que j'ai trop de talent, hein, mais comme je te le dis, j'ai trop de talent, je suis même plagié par les Illuminati. 3 points de suspension, au-dessus c'est moi. Attends, qu'est-ce que tu veux que j'y passe? Attends, hey, le niveau il est tellement élevé, ça chie du Gucci la famille, calmez-vous, franchement. Ouais, non, c'est quoi? Allez vous faire enculer jusqu'à la fin des temps, et si vous arrivez en retard au jugement dernier, même avec un mot d'excuse du pape, c'est pas une épreuve du bac, la famille, je suis dans ma attente. T'as intérêt à être à l'heure, moi je te le dis, t'as intérêt à être même un quart d'heure en avance, si tu veux. Mais attends, le Joker, coup de téléphone au rectorat, tu crois que ça marche? T'es sérieux? Mais c'est pas une épreuve du bac, poto, je te le répète. Donc, pour finir, c'est la communauté des gens qui va s'exprimer. Je les réunis et toute personne... ayant pour nom composé un nom qui commence par Jean, c'est-à-dire Jean-Marc, Jean-Michel, Jean-Édouard, Jean Bonaventure, Jean Bienvenue, Jean Placide, Jean de Bertimance même, pourquoi pas, hein, parce que je ne sais pas. J'aimerais qu'on discute sur le cas de Apathy, Jean-Michel Apathy, parce que là, il vient de faire n'importe quoi au nom de la communauté des gens, et j'aimerais avoir quelques réponses, j'aimerais avoir son avis, quelle est son opinion sur le sujet, puisque il s'est exprimé de la sorte, je cite... Si c'est pas antisémite, pourquoi critiquer?
Point d'interrogation, hein, parce qu'on aimerait savoir. Attends, attention, Jean-Mi, là, quand même. Et avec tes conneries, non, mais la communauté des gens, voilà, on va statuer sur ton cas, tu sais quoi? Je te donne le bénéfice du doute. Mais on va statuer sur ton cas, Jean-Mi, parce que Apathy, là, non, c'était pas très appâtant, là. Non, ferme-la. C'est juste un exercice. Et si tu me prends au sérieux, fils, t'es dans la merde.